prêt à rayonner ? S'ouvrir à l'activation des capacités dormantes de la lumière. Alors que nous traversons ce changement monumental, il est essentiel que nous nous ouvrions à la lumière entrante qui catalyse l'ascension de la Terre. La lumière porte des fréquences vibratoires plus élevées qui activent notre ADN, déclenchent des capacités dormantes et élargissent notre conscience. Pour participer pleinement à ce processus d'évolution, nous devons être prêts à accueillir la lumière. Cela signifie qu'il faut se libérer des croyances limitantes, des peurs et des résistances qui peuvent nous amener à nous contracter lorsque la lumière augmente. La lumière peut être inconfortable au début, car elle expose des zones prêtes à la transformation et à la guérison. Mais si nous restons ouverts, nous commencerons à nous sentir plus légers, plus clairs et plus énergiques. Notre intuition et notre perception extrasensorielle se renforceront au fur et à mesure que nous nous harmoniserons avec la sagesse de la lumière. En embrassant consciemment la lumière, nous accélérons notre développement spirituel. Nous éliminons les blocages, élevons notre vibration et ancrons plus de lumière dans notre corps et nos champs d'énergie. Cela nous permet d'accomplir le but de notre âme et d'apporter nos dons au monde. La lumière qui arrive éveille également notre conscience d'unité, car nous nous rappelons que nous sommes des fractales de la même lumière universelle. Pour accueillir la lumière, passez du temps chaque jour à méditer tranquillement en vous connectant à votre lumière intérieure et à la lumière vivante qui vous entoure. Ouvrez votre chakra de la couronne pour recevoir la lumière. Libérez les pensées limitantes et les schémas émotionnels dans la lumière où ils se dissolvent. Rayonnez ensuite la lumière vers l'humanité pour donner naissance à un nouveau monde. Un nouveau chapitre pour l'humanité. Nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère extraordinaire pour l'humanité. Alors que les énergies de l'ascension enveloppent notre planète, nous avons la profonde opportunité de transcender l'obscurité et la souffrance qui frappent l'humanité depuis des éons. Nous sommes appelés à embrasser la lumière et à lui permettre d'inonder chaque cellule de notre être. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à cette lumière divine, nous commençons à transcender les illusions de la séparation et de la dualité qui nous ont maintenus enchaînés à la peur, à la haine et à l'ignorance. En élevant notre vibration et en nous alignant sur les fréquences supérieures de l'amour, la sagesse commence à poindre en nous. Nous nous souvenons de notre unité inhérente avec toute vie et de notre nature divine en tant qu'âme éternelle. Les voiles de l'illusion tombent alors que nous nous éveillons à la vérité mystique que nous sommes tous un. Cette prise de conscience s'accompagne d'une nouvelle vision pour l'humanité. Nous voyons que nous avons le pouvoir de co-créer le monde de nos rêves, un monde de justice, de paix, d'abondance et de compassion pour tous. L'ascension est le catalyseur qui nous propulsera sur cette nouvelle terre. Lorsque nous évoluerons consciemment dans la lumière, l'obscurité et la souffrance disparaîtront de ce monde. Les anciens paradigmes de cupidité, de corruption et d'exploitation s'effondreront. À leur place, émergera une civilisation fondée sur les principes spirituels les plus élevés d'unité, d'amour et d'épanouissement mutuel. La lumière qui est en chacun de nous illuminera le chemin à suivre, créant un effet d'entraînement, de changement positif qui transformera notre monde en l'utopie que nous envisageons. Les graines de cet avenir plus radieux sont déjà
en train d'être semé. La montée des mouvements de conscience, la sensibilité à l'environnement et les initiatives de collaboration en témoignent. Alors que de plus en plus d'individus embrassent la lumière, la vibration collective de la planète s'élève, attirant ceux qui résonnent avec une manière d'être plus harmonieuse. Cet effet, boule de neige, s'accélérera, ouvrant la voie à un âge d'or où l'humanité prospérera dans la paix et la prospérité. Les ténèbres se nourrissent de l'apathie et de l'ignorance. Il est essentiel de se rappeler que l'évolution consciente est un processus continu. Nous devons rester vigilants et promouvoir activement les valeurs de la lumière et de l'amour. La clé de la manifestation de cette utopie ne réside pas seulement dans de grands idéaux, mais aussi dans des actions tangibles. Nous devons traduire les principes spirituels en solutions concrètes, partager nos expériences, éduquer les autres et plaider en faveur d'un changement positif sont autant de moyens de maintenir l'élan. En travaillant ensemble et en incarnant ces principes dans notre vie quotidienne, nous comblons le fossé entre la vision et la réalité, ouvrant ainsi la voie à l'âge d'or. À l'heure où nous nous trouvons au seuil de l'entre-deux-mondes, prenons courage. Un avenir lumineux nous attend. Ensemble, faisons de cette vision d'un avenir lumineux non seulement un rêve, mais aussi une réalité. Ayez foi en la bonté innée de l'humanité. Notre destin est de briller en tant qu'être divin et d'ouvrir une ère d'illumination. Si nous nous unissons et nous ancrons dans l'amour, nous traverserons ce passage avec noblesse. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'humanité. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique, canalisée par Aurora Ray. Merci de partager au plus grand nombre.